Focus sur les essentiels aujourd'hui, c'est ça? Oui. Et les costumes. Et les costumes. Ok, on commence par la piste de costume. J'ai vu qu'il y avait la Riddle en pied de poule. Moi, je vais faire un truc qu'on ne pensait pas, c'est le débardeur. Je prends ma veste, je prends un jean au top, la nouvelle chemise. Oui, donc t'avais annoncé full denim, ok. Et j'ai voulu faire ressortir le bas de la manche de ma chemise Rihanna en bleu clair. Elle ressemble à la Servane un peu, mais elle est beaucoup plus oversize. Et mon jean, de Rivé, trop bon, que je porte tout le temps. Et pour les chaussures, je voulais rajouter quand même une petite touche de féminité avec les escarpins Martina. Et je voulais aussi rester un peu dans un camailleux, mais un tout petit peu plus foncé pour ajouter un peu de peps à la tenue avec forcément mon Milo vintage favori. En vrai, ce qui est pas mal, c'est qu'elle te donne pas trop d'épaule parce que c'est ce qu'on appelle une épaule napolitaine. Oui. Il y a peu de matière à l'intérieur, il y a juste une cigarette, donc c'est le petit boudin de matière qu'il y a sous la couture. De passer au débardeur en dessous, je trouve que c'est assez joli. C'est super léger en plus pour le printemps été, moi je trouve trop bien. Avec le pantalon Déon aussi, pareil en lin et coton. J'ai repéré tout à l'heure cette maille pour le printemps assez légère, je ne sais pas comment elle s'appelle. La maille Pio, avec l'inspiration de jean que tu avais juste avant, ça marcherait très bien. Et là, je pique vraiment les idées de Lise, hein. Vous voyez comme elle m'inspire, full denim. Mais du coup, en jouant avec, tu vois, moi je vais jouer avec cette pièce-là en dessous, et okay. ça va être un petit peu, donc c'est la chemise maille, ce qui va être un petit peu vu comme un petit blouson sur chemise. Okay. Voilà. Je sais pas, j'avais envie d'aller dans des couleurs un peu plus terracotta, je me dis avec cette jupe, ouais, ça peut être super mignon, et forcément, il me faut une pièce de denim, toujours. Toujours. Ça a très bien marché. Je me dis que c'est simple mais efficace. J'ai hâte de voir comment tu l'accessoires aussi. Ça va trop bien. Merci. La ma bio. Toi aussi j'aime bien. Ouais, moi j'ai juste choisi de faire un full denim, un petit peu en hommage à ce que tu as fait tout à l'heure. Merci. Donc avec voilà le jean briglé, maille rentrée dans le pantalon, avec la chemise denim miles par-dessus. Ce genre de look. Et voilà, c'est le look de tous les jours, casual, facile. J'ai mis la jupe du coup Jimin. J'ai voulu mettre un peu de l'imprimé avec les ballerines Mathilda. La veste en jean Fallen qui est juste géniale, que j'ai surtaillée de deux tailles pour qu'elle soit encore plus oversize. Le dernier look? Ouais. Vous choisissez une pièce chacun? Ok, moi je t'ai choisi ça. Chemise Allen, je pense que ça sera trop bien sur toi. Ouais, en fait. Et là c'est de la popeline, non? C'est de la popeline de coton. Et la popeline sur une femme, c'est trop joli. Ouais, j'adore. Ça donne pas mal d'élégance. Oui. Très joli. J'aimerais bien quand même te voir avec un ensemble. Parce que depuis tout à l'heure, il essaye soit le bas, soit le haut, mais il a pas fait les deux ensemble. Je pense que le kaki, ça va mieux t'aller au teint, avec tes aussi. Yeux. Je pense aussi. Donc je suis gentille, je pense à toi. Donc la veste Déon. C'est bien ou pas? Quel entier! Quelle entrée de fou! Je suis contente de te voir avec un costume, mais un peu plus décontracté. C'est du lin, non? C'est du lin et du coton aussi. Alors attention, on ferme toujours un seul bouton. Hein. C'est très important. On ferme jamais les deux boutons. C'est un peu une règle de tout tailoring. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'on voit qu'elle est parfaitement à ma taille, puisqu'il y a entre 1 et 2 cm de ma manche de chemise qui dépasse de la veste. Ça reste casual. Mmh. Voilà, donc c'est un peu un entre-deux. Je peux aller à un mariage comme ça, grâce à mes chaussures. Et puis en même temps, je peux sortir dans la rue tous les jours. Hein. Aussi du coup. Trop stylé. Voilà. J'adore cette chemise, elle te va hyper bien. J'ai mis au final avec le pantalon Matthew en noir et pareil j'ai mis le panier Justine en raffia.